Bien, bonjour à tous. Alors, je fais suite aux commentaires et à la demande de FR Flight Simulation Tuto 0 il y a 14 heures. Alors, je vais lui répondre. Alors, je vous lis son commentaire. Je suis nouveau dans l'aviation, je voudrais savoir c'est quoi les fuel pumps. Alors, les fuel pumps, qu'est-ce que c'est? Les fuel pumps, c'est donc des pompes, comme son nom l'indique, qui permettent donc l'arrivée donc de carburant au moteur et à l'APU. Donc l'APU se trouve où? L'APU sur le 737 se trouve dans la queue de l'avion, donc à peu près à ce niveau-là, si je zoome bien, il se trouve par là. D'accord? Donc l'APU est par là, dans la queue de l'avion. Ok? Donc, est-ce que tu pourrais faire une vidéo dessus? Parce que je n'arrive pas à starter l'APU du 737. Alors, l'APU du 737, c'est super facile, tu vas voir, c'est l'un des plus simples. Alors, pour démarrer un 737, donc tu vois, pour l'instant, on est en colonne d'arc, d'accord? Donc, nous sommes en colonne d'arc, plutôt. Et donc, on va aller tout de suite démarrer la batterie. La batterie, elle se trouve là-haut. La batterie, tu vois, le cache est sur off, il n'y a aucune électricité, il n'y a rien qui vient dans l'avion. Je ferme le cache. Oh, comme par hasard, il y a des lumières qui se ferment. Ça, tu fermes l'external light et tu fermes le standby power. Ok? Donc jusqu'à là, on va appliquer ce qu'on appelle la pre-flight checklist. Donc la pre-flight checklist, le point numéro 1 demande à ce que la batterie soit sur on et le capot soit fermé. Alors le capot, on va aller le vérifier tout de suite. Donc le capot, on voit bien qu'il est fermé, d'accord? 2, si DC Power sélection, donc DC Power, donc c'est la colonne qui est à gauche au-dessus donc de batterie, d'accord? Donc il faut qu'elle soit sur BAT. Donc là on voit que BAT décharge, donc la batterie est en train de se décharger, c'est pour ça qu'on va pas perdre trop de temps. Cabine Util, on voit bien que ça c'est sur ON, d'accord? Donc cabine Util et électrique, hydraulique, les pompes sont sur OFF. Donc là les hydrauliques, on les met sur les 4 sur OFF. D'accord? Les deux probes HEAT, on va les vérifier en haut. Les probes HEAT, il faut qu'ils soient sur OFF. Donc là, c'est bon. Les Windows HEAT sont bien sûr OFF. Tout est bon. Le Weather Radar, tu peux aller le vérifier en allant sur ta commande pédestrale. Donc, Weather Radar, c'est ici en fait. C'est ces trois boutons-là. D'accord? Weather Radar, eh bien, on voit que de toute façon, nos écrans ne sont pas allumés. Donc, le Weather Radar, de fait, est coupé. Et donc pour confirmer ça, tu appuies ici sur la touche Weather, donc qui se trouve ici. Ok, donc Weather, elle se trouve là. Donc là, on nous dit que Flight Compte électrique, on nous demande tout de suite de mettre l'électricité pour éviter de décharger. Donc tu vas aller dans ton FMC. Donc là, tu vois, les écrans viennent de s'allumer. Tu vas dans ton FMC, FS Action. Donc je recommence, donc menu. FS Action, Ground. Tu mets en place donc, le Ground Connect, l'Air Unit et les pitots. Donc là, si tout ça est bien connecté, connecté, connecté et on et set, tout est bon. Pense aussi à une chose, de mettre ton parking brakes. Une fois que c'est bon, tu démarres ton ground power. Donc là, tu vois qu'il y a de l'électricité qui vient. Ok? Tu vérifies bien que ton parking brakes est sur on, ce qui est notre cas, et le landing gear est bien sur down et qu'il y a bien les trois lumières allumées. On est bien dans ce cas-là. Si le ground power est available, ce qui est notre cas, il faudra cliquer sur ground power is on. AC power selector, donc on va tout là-haut. AC power selector, maintenant il faut le tourner sur ground power. On le tourne jusqu'à ground power. Ok? Jusqu'à là, tout est bon. Si le ground power n'est pas allumé, tu startes l'APU. Alors, je te conseille pour allumer l'APU. D'accord? Donc, de mettre déjà dans un premier temps donc des pompes, la pompe numéro 1 en FDW et en pompe numéro 2 la FDW. Une fois que ça c'est bon, la FT2 tu peux la connecter, la deuxième pompe, et la première pompe tu la connecteras après. Jusqu'à là tu pourras alors démarrer ton APU. Ton APU tu la démarres sans problème, tu t'assures au préalable d'avoir mis l'isolation valve sur open, de remettre les récipients fans sur auto, les packs pour l'instant tu les laisses sur off, d'accord, et on va poursuivre notre checklist. L'APU tu le laisses s'allumer gentiment, d'accord, pas de, tu ne te déconnectes pas donc du service ground power te permettant d'avoir de l'électricité. Donc normalement tu vas avoir une aiguille qui va aller jusqu'à 8000 degrés et qui va redescendre pour aller se fixer à 4000 degrés.
Donc, et tu devrais voir apparaître APU gêne, bus off. Ce qui voudra dire que ton APU1 est bien allumé et qu'il faudra que tu switches tes générateurs sur l'APU, donc l'oxygène, l'auxiliaire de puissance auxiliaire. Okay? Donc, jusqu'à là, voilà, APU gêne bus off, tu vois, c'est allumé. Tu sets tes deux génératrices principaux. Et donc, à partir de ce moment donné, tu peux t'enlever du ground. À partir de là, tu es indépendant de l'APU. Ok? On continue notre checklist. Donc, l'isolation valve, on l'a fait. L'APU bleed, on l'a fait. Engine 1 and 2, boss on, c'est fait. Et AC power selector sur standby. AC power selector, on va le mettre sur standby. Poum. Standby power. Ok? Donc là, tu ne touches pas à ta batterie, tu ne touches absolument à rien. Jusqu'à là, c'est bon. Et maintenant, on va s'occuper donc de tes hydrauliques pompes. Tu les mets les quatre sur on. Donc tu vas avoir deux qui vont dire low pressure, ce qui est tout à fait normal. Et tu actives tes Windows Heat en haut ainsi que tes probes Heat. On est parfait. Tu alignes bien tes IRS, les deux. C'est obligatoire, les deux, jusqu'à voir Align, Align. Le service interphone, tu le mets sur On. S'il fait nuit, tu te charges de mettre la lumière juste en appuyant sur Dome, Dome White, donc il était au milieu. Fais un clic gauche jusqu'à voir Bright. Jusqu'à là, la lumière est allumée. Tu charges la pompe 1 maintenant, tout est bon, et tu charges les pompes centrales. À partir de là, on va te demander de mettre par exemple la pompe. Donc on va te mettre déjà, on va te demander de mettre donc en place tes IRS. Donc si tu ne te souviens pas de la porte et si tu as une défaussiénerie, il faudra cliquer une fois ici, tu vas voir tes coordonnées géographiques, tu les mets dans cette IRS position. Hop, comme par magie, il se passe quelque chose. Tes IRS sont alignés, pas de problème. Donc tu sets ta route d'origine, ta destination. Donc, par exemple, nous, ça peut être Pau, par exemple, jusqu'à LFBP, le numéro de vol. Voilà, donc nous, on va rentrer Speedbird 1787. Donc ta piste, il faudra la calculer au préalable. D'accord? Donc ta piste, petit conseil, ta piste pour calculer donc comment déterminer l'utilisation de ta piste, je te conseille d'aller voir donc les charter flights. Donc les charters de ton aéroport que tu es concerné. Donc moi, pour moi, dans ce cas-là, c'est LLBG Tel Aviv. Ok? Donc moi, pendant ce temps, donc Active Sky est démarré, ce qui est parfait. On va en avoir besoin. Donc, on va faire. Donc on va regarder sur nos cartes la piste en service. C'est super facile de la déterminer, tu vas voir, c'est hyper simple. Il suffira de te servir donc des conditions actuelles donc de ton aéroport. On a du vent du 330 degrés à 14 nœuds et le QNH est 2005. Et bien à partir de là, on va vérifier quelles sont les procédures. Donc là, on nous a dit que c'était du 330 degrés. Et bien, on sait quelle est la piste en service. D'accord? Et bien, la piste en service, c'est la 3-1 Left Departure pour LLBG. D'accord? C'est la plus longue, la plus courte pour les arrivées et la plus petite pour les la plus longue pardon pour les départs et la plus petite pour les arrivées. D'accord? C'est super simple. Et puis ça dépend aussi des aéroports. Ça peut être la plus longue pour l'arrivée et la plus longue pour les départs. Ça peut dépendre vraiment des aéroports. Ça dépend. Mais c'est pas tous. Alors, pour calculer la piste, donc on a du vent du 330 et donc l'axe de la piste est au 314. Donc on va faire 330 moins 314, on est à 16, c'est bien notre piste 31 gauche qui sert au décollage. Donc, on va rentrer 3-1 left departure. Alors là, on nous dit que c'est pas disponible. Pourquoi? Alors, 8-12 ou 21-30. Alors, des fois, ça peut être contraire, mais c'est bizarre parce que. Ah oui, d'accord.
Parce que autant pour moi, j'avais confondu avec les cartes de New York, j'allais dire, mais oui, c'est pas normal qu'ils me disent qu'il n'y ait pas. qu'il n'y ait pas, autant pour moi. Donc là, je corrige tout de suite, qu'il n'y ait pas de. Qu'il n'y ait pas de piste 31. J'allais dire, attends, c'est pas normal. Donc, je recommence. Donc, je corrige ce que je viens de dire. Donc là, je suis en train de télécharger les cartes. Donc, je mettrai donc les cartes, les liens des cartes disponibles pour ceux qui veulent faire la soustraction. D'accord? Donc, on a bien la 12, on a bien la 8. Je vais revérifier, mais il me semble que oui. On a bien la 8. On a bien la 30. Je vais vérifier à nouveau. La 30, on l'avait pas. La 26, je télécharge. Faut télécharger toutes les cartes et puis après tu pourras faire ce que tu veux. Et enfin, la 21. Voilà. Donc j'ai téléchargé toutes mes cartes. Donc à partir de maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de calculer quelle est la piste en service. Donc ce n'est certainement pas la 08 en service. Je vais regarder vers la 26, si c'est bien la 26. Alors, il suffit de faire, donc je reprends mon vent, du 330 à moins 256, 74, ce n'est pas la 26 en service. Donc, je vais aller voir du côté de la 21, pour avoir plus de chance. La 21, on voit que c'est un vent, on voit que c'est l'axe de la piste est au 204. Eh bien, l'axe de piste au 204, tu fais 330 moins 204, 126. Ce n'est pas donc la 21. Donc tu fais toutes les pistes, hein, tu les calcules bien auparavant, afin d'être sûr de toi. Donc là, on a un meilleur résultat pour la 30, ILS 30. L'axe de la piste est au 296, tu fais 330 moins 296, c'est la 30, puisque on est compris entre moins 50 et plus 50, le score a été de 34. Donc c'est la piste 30 au départ. Je rentre piste 30, donc je reviens dans mon initref, index, pos, route, piste 30, voilà. Et tu choisis donc ton départ, ton arrivée. Maintenant, on va s'occuper, donc ça, c'est dans le meilleur des cas où on a tout programmé. Alors, je saute des étapes, vous allez me dire, oui, mais c'est pas bien. Oui, je suis d'accord. Donc, on va suivre Preflight Checklist. Les panel light, vous les mettez sur full. Panel light, vous les mettez sur full. Donc, le panel light est là-haut, vous mettez sur full. Vous mettez aussi les circuit breakers sur full. Ensuite, standby power, vous mettez ça sur auto. Donc on y est. Oui, on y est. Ensuite, logo light sur on. Donc ton logo light, tu viens le mettre ici. Ça, tu le mets en route. L'anti-collision, les wings et les wheels, tu les mets sur on. Ensuite, les IRS, on les a bien mis sur nav. Les équipements calling, donc les équipements calling se trouvent ici. Tu regardes bien que tout soit sur normal. Tout comme le thrust qui est sur normal. Les seatbelts, tu les mets sur on. Tu t'assures bien que ça sonne. Ok, jusqu'à là, tout est bon. Les Windows Heat, tu vas vérifier que les 4 sont bien sûr on. Tes Windows Heat sont bien sûr on. Ensuite, tes hydrauliques pompes, on les a mis les 4 sur on. On nous demande de les mettre sur on. C'est bon. Le trimmer, tu vérifies bien que ton trimmer est bien sur on. Donc ton trimmer se trouve ici et il se trouve sur on. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, on y est. Tac, tac, tac. Ton trimmer, pardon, il était là, autant pour moi. Et en dessous, c'était la pressurisation qui est en automatique. Ne jamais la mettre en manuel. Faut pas toucher à ça, hein. Surtout pas. Donc jusqu'à là, on est bon. Ok. Et on continue. Donc tes left and right AC recirculation fan sur auto. Donc on les a bien mis tout à l'heure sur auto. Tes packs sur auto à partir de maintenant. To cruise level, donc c'est ton altitude de croisière. Ton altitude de croisière sera compris à 34 000 par exemple, ou 35 000, peu importe où tu vas. Et ton altitude, tu regarderas en fonction des cartes. Moi je sais qu'à Pau, c'est 3 000 pieds. Ok? Jusqu'à là, on est bon. Et on va aller maintenant sur ton overhead panel. Ton overhead panel, FD panel. Tu les mets sur on. Et donc,
tes flight directors sont bien enclenchés. Tu sets la course donc de ta piste. Donc à peau, moi, tu peux la mettre en vol ou avant ton vol. D'accord? Donc moi, je la mettrai en vol. Donc ton panel, tu t'assures de set le barreau. Donc le barreau, c'est ça en fait, c'est ton QNH. D'accord? Donc ton QNH local. Donc le QNH pour nous, il est de 10,05. Tu descends jusqu'à avoir 10,05. Voilà. La radio, tu t'assures que les radios fonctionnent bien. Les radios, je te conseille de setter ça. Et je te conseille, voilà, de te mettre sur 122,8. Et de mettre de la lumière sur tes écrans de panel. Ok. Là, ici, donc, le premier boîtier, c'est la radio. D'accord. Le deuxième radio, c'est pour les navs. Donc, quand tu veux rentrer une ILS. Ok. Jusqu'à là, tout est normal. Tu t'assures de faire un check de tout. Ok. Tu t'assures en haut d'enclencher les alarmes. C'est bon. Le flight recorder, il est sur normal. On est parfait. Donc là, il me dit qu'il est sur off. Tu le laisses comme ça. On s'en fout. Ensuite, pour le yup dumper, on va le mettre sur on. Ok. Donc là, il va aller sur off. Voilà, il va aller sur on. Ok. D'habitude, il va sur off. Et on va s'occuper de démarrer tes moteurs. Alors, comment on démarre les moteurs? Eh bien, les packs que tu avais sélectionnés au préalable, les packs, tu les mets sur off. Tu vas avoir une aiguille qui va revenir au milieu. Tu vas démarrer ton moteur 1. Ton moteur 1, tu vas dans ground. Tu t'assures que tout est OK. Ton cutoff, tu le montes. Ton auto-throttle, tu peux déjà l'activer. Et donc, une fois que tu auras tout fait, une fois que tu auras sélectionné tes vitesses, il te suffira d'appuyer sur Vena et le nav. Imaginons que nous, on ait fait notre vol. D'accord? On ait préparé tout notre vol. Donc, voilà. Le premier moteur a démarré, puisqu'on a entendu le clac. Tu le tournes d'un cran jusqu'à avoir compte. Tu démarres le moteur numéro 2. Là, il va démarrer, tu vois, regarde, ça démarre. Voilà. Tu attends de voir que ton moteur devait bien démarrer. Tu mets ton pack au premier sur auto. Tu t'assures de passer la première génératrice ici. Donc ici, tu vois, on était en bleu. Là, on a plus la couleur bleue. Et ça, tu le tournes sur compte. Ton moteur 2 a démarré. Et donc là, tu as à nouveau APU Gen Off Bus. Tu éteins ton APU. Tu n'as plus besoin et tu n'es plus dépendant de l'APU. Ok. Et donc jusqu'à là, tu pourras rouler directement. Ok. Voilà comment on démarre un 737. Ok. Il n'y a rien de compliqué. Maintenant, on va s'intéresser à une fois au parking. Tu viens d'atterrir, ton vol s'est bien passé, tes autobrakes sont sur off, ok, tout s'est bien passé, t'as remonté tes flaps, t'es arrivé à ta porte, t'es garé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, 1, il faut mettre ton parking brake sur on, ok. On va mettre les logos sur off, tout ça on met sur off, d'accord. Tes moteurs, tu les mets sur off, et tu vas t'assurer de reconnecter le ground. Donc, en premier lieu, pour reconnecter le ground, tu vas dans FS Action, ground, 7. Ok, donc tout ça est sélectionné. Tu coupes, donc tu vas, pardon, passer sur le ground. Donc là, tu vois ta générateur bus off on. D'accord, donc off, tu sélectionnes tes deux génératrices. Tu coupes tes moteurs. Tes moteurs vont s'éteindre, les deux. Tu resélectionnes à nouveau ground power available.
D'accord. Donc là, on va faire la procédure d'extinction moteur. D'accord. Donc, on va couper tout ce qui est essentiel. Les APU bleed, les packs, l'isolation et la recirculation fan. On va couper les hydrauliques. D'accord. Donc, quand le moteur avait démarré, donc là, tu vois, regarde, là, il y a une coupure électrique. Tout à fait normal. Le ground est toujours available. Tes fuel pumps, tu les coupes immédiatement. Voilà. Tout ça, t'as coupé, donc tes fuel pumps. On est parfait. Ça, ça, ça. Tes circuit breakers, tu les mets sur off. Panel pour le, pareil pour le panel. Les Windows hit, tu les mets sur off. Les probe hit, tu les mets sur off. Tout est OK. Ici, tes IRS, tu les mets sur off. Le service interphone, tu le mets sur off. Le dôme, tu le mets sur off. Le yacht dumper est bien sûr off. Tout est bon. Là, 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 on est bon. Ensuite, emergency light, tu le mets sur off. La batterie, tu le mets sur off. Ok. Et donc, tu vas me dire, il y a toujours l'électricité. C'est normal. Et donc, à partir de là, tu vas juste faire ground power. Poum! Et voilà. Tous tes écrans sont éteints. Donc, tu vas avoir ton MCP qui va s'éteindre. Voilà, ton MCP est éteint. Voilà. Il n'y a absolument rien de compliqué en soi. Tout est bon pour le 737. Donc voilà, donc voyez, c'est pas compliqué de démarrer un 737 en soi, faut connaître vraiment toutes les procédures par cœur. Moi, je les connais, je les applique et j'ai jamais eu le moindre problème avec le 737 depuis que j'ai suivi une formation avec une vraie personne qui est pilote de ligne donc en Australie qui m'a formé au tout début quand je commençais avec Qantas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et j'espère avoir répondu du mieux que je peux à FR Simulation Tuto 0. Merci pour ton soutien, donc de ton commentaire, hein, je te soutiens, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais je vais t'appeler comme le nom de ta chaîne, CRSEFSXP3D, bah écoute, oui ça peut aller, mais bon, comme tu te doutes avec les haters, c'est extrêmement compliqué de travailler avec et de se faire entendre et de se faire comprendre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura permis de justement te faire comprendre comment on démarre à 737 et comment on l'éteint complètement. Moi, je te conseille, avant toute chose, c'est comme tu veux, soit tu mets l'APU quand tu roules, soit tu vas jusqu'au parking et tu mets ton APU à ce moment-là, mais moi, je te conseille de te mettre sur le ground power afin de ne pas gêner directement les contrôleurs ou les autres avions qui sont là pour toi et pour t'aider. Voilà, sur ce, je te souhaite une bonne après-midi, j'espère avoir répondu du mieux que je peux à ta question. Salut, bon courage!